Good morning, allez, Iden, et ce sera le jour de l'Unishmat Dov, Ben Yehudi, Teviat Rambam, Ben Chedva, Chayester, Bat Miriam, Mitzrak Pez, Ben Fortuna, Chay Michel, Ben Sultana. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez la communauté éternelle. Nous étions Maserat Shabbat, Perikud, Gimel, Mishnah, Hei, Rabbi Yehuda, Omer, Atzad, Tzipor, la Migdal, Utsvi, la Bait, Chayav. Vachachamim, Omerim, Tzipor, la Migdal, Utsvi, la Bait, Velechatzer, Vela Bevarim. Rabban Shimon, Ben Gamliel, Omer, Loko, la Bevarim, Shavin, Zehaklal, Mechusar, Tzeida, Patour, Vecheno Mechusar Tzida, Chayav. On va parler à présent, dans la prochaine Mishnayot jusqu'à la fin du Perek, et peut-être un peu plus même, de l'interdit de Tzad, de chasser et capturer à Shabbat. Et on commence directement à dire, si ça vous intéresse de comprendre l'ordre des Mishnayot, je vous ai dit, les 39 travaux, ils ont un ordre spécial, et concrètement, après, lorsque la Mishnah les détaille, elle suit un ordre assez chaotique. Donc il n'y a pas d'ordre. Et en fait, il y a le Tosot Yom Tov, il essaie sans arrêt de donner une certaine allure. En fait, bon, on ne va pas trop allonger sur ça, c'est un peu... Ça va alourdir le cours. Et j'avance pour le moment. Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda nous dit, « Atzad tzipor la migdal. » Celui qui va capturer un oiseau dans un migdal. Un migdal, c'est une sorte de, comment dire, une cage à oiseaux. D'accord ?« Et ou tzvi la baït et un cerf dans la maison, chayav. » Eh bien, il est Chayav. Je continue à traduire, et puis après, j'explique tous les avis en même temps. La Chachamim, on entend dire que Chachamim nous dit non. Si pour l'amygdale, je suis d'accord avec toi, pour un oiseau qui doit nécessairement rentrer dans la cage à oiseaux pour être capturé. Mais par contre, Utsvi, le cerf, la baït, tu peux le faire entrer dans la maison, c'est vrai, mais pas uniquement. Tu peux aussi, Velechatser, tu peux aussi le faire entrer dans une cour, Velabevarine, dans un enclos. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, et Rabban Shimon ben Gamliel dit, c'est apparemment un troisième avis, mais apparemment en réalité ça explique l'avis de Chachamim, qui nous dit attention, il ne faut pas tout mélanger. Lokola Bevarin Shavin, pas tous les enclos ont le même statut. Zéaklal, telle est la généralité. Mais Choussar Tzida, si ça manque d'être capturé, c'est-à-dire tu l'as capturé, mais il faut encore faire beaucoup d'efforts pour le capturer, pas tour, alors il sera dispensé. Mais chez nous, Mechoussar Tzeda, par contre, une fois que tu l'as capturé et que maintenant c'est plus, tu n'as plus besoin de partir de le capturer une deuxième fois, tu es Chayav. D'accord? Je suis arrivé au bout de la Mishnah et je voulais justement arriver au bout de la Mishnah pour vous expliquer d'abord à Rabban Shimon ben Gamliel qui a parlé de la manière la plus claire. Il nous a dit quelque chose de très simple. Chasser, capturer à Shabbat un animal, c'est interdit. Mais à partir de quand je considère que c'est capturé? Qu'il est capturé? C'est-à-dire, entre l'animal totalement libre et l'animal totalement capturé, dominé, alors il y a un petit éventail entre eux. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si... Voilà, on va prendre le cas d'un exemple. Contraire à ce qui est écrit apparemment dans le Mishnah. Imaginez, j'ai fait entrer un petit moineau dans ma maison. J'ai une grande maison avec des toits, avec des plafonds assez hauts, d'accord, disons 3,5 mètres de plafond. J'ai fait entrer, j'ai un très beau salon de 50 mètres carrés avec des plafonds de 3,5 mètres. C'est vrai que maintenant, le petit oiseau, il ne va plus pouvoir partir ailleurs. Mais si je veux l'attraper et en faire quelque chose... Eh ben, je vais m'amuser, je vais partir là-bas, il va se barrer de l'autre côté, on va jouer à cache-cache, jusqu'à peut-être qu'à la fin, je vais réussir. Donc, en fait, j'ai diminué sa liberté. Est-ce que je l'ai capturé ainsi? Est-ce que j'ai transgressé l'interdit de Tzad? Et la réponse, elle est non. Tzad, c'est que maintenant, il est bloqué. C'est ce que Rabbi Shimon, Rabbi Shimon ben Gamliel nous dit, attention, t'as fait entrer un cerf dans un enclos, eh ben, ça dépend de la taille de ton enclos. Si c'est quelques hectares, ou bien, je sais pas, je ne peux pas vous donner le chiffre, je ne sais pas, mais shriachat. Non, par exemple, il faut que ce soit très petit. C'est le Bertrand Noël nous dit, mais Jean-Rad, tu te penches et tu l'attrapes. C'est-à-dire, il n'a pas tellement où partir. C'est quelques, je sais pas moi, c'est 4 mètres carrés, une petite salle de 4 mètres carrés, un enclos de 4 mètres carrés. C'est vrai qu'il va essayer de fuir dans les autres coins. Si tu vas ouvrir les bras, tu vas t'arriver vers lui, il va avoir nulle part ailleurs où aller, puis tu vas l'attraper. Donc ça s'appelle qu'il est capturé. Mais si toutefois, il faut encore que... Quand tu vas vouloir l'attraper, il va réussir à partir dans un autre coin. Alors, ça s'appelle que là, il n'est pas encore capturé, tu n'as pas transgressé l'interdit de Tzad. Ça, c'est la généralité de Rabban Shimon ben Gamliel. Et en réalité, le Bartenoir, il explique que Rabban Shimon ben Gamliel n'est pas en discussion avec Chachamim, il vient expliquer Chachamim. Et en fait, je vais repartir un petit peu en arrière maintenant, depuis le début de la Mishnah. On commence à voir avec un cas qui a accepté tout le monde, mais qu'il faut bien préciser qu'il y a la Mishnah qui enseigne. L'oiseau, pour le capturer, il faut nécessairement le mettre dans un migdal, dans une cage à oiseaux, mais pas dans une maison.
La Gemara explique, c'est pas rapporté dans le Bartanora, mais c'est le Melechet Shlomo qui nous le dit, et c'est rapporté comme ça dans la Gemara, que en réalité, on parle ici d'un petit moineau qui est très agile et qui va vite. On ne peut pas l'attraper. Par contre, il y a des oiseaux un peu plus lourds à bouger. J'imagine, je ne sais pas, un corbeau. Eh ben, c'est pas la peine de le mettre forcément dans une cage à oiseaux. On peut le faire entrer aussi dans la maison. Dès qu'il est dans la maison, je ne sais pas la taille de la maison, mais en tout cas, si c'est une maison assez classique, avec des plafonds pas trop hauts ou quoi que ce soit, imaginez que vous avez un corbeau, si vous n'avez pas peur de lui, bien sûr, eh bien, il est dans un coin, vous allez partir, vous allez l'attraper, il ne va pas avoir nulle part, jusqu'à ce qu'il commence à bouger, vous l'avez déjà attrapé. Par rapport à un petit moineau qui est très agile, très rapide. Donc là, c'est sur ce petit moineau, Tzipor Dror, ça s'appelle un passereau en bon français, ou bien un moineau. Alors, à cette Tzipor, la migdale, on parle d'un Tzipor Dror, d'un moineau. Il faut l'attraper nécessairement dans le migdale. Le migdale, c'est une caisse, une cage d'oiseaux. Par contre, les autres oiseaux, donc, on a dit dans la maison. Par contre, Etzvi, la bait, et un Tzvi, il faut nécessairement l'enfermer dans une maison. Là, Rabbi Yehuda, c'est pas clair ce qu'il dit, je vais vous expliquer pourquoi c'est pas clair, mais je passe tout de suite à Khamim. Khamim nous en dit, tu sais, c'est pour l'amygdale, je suis d'accord avec toi. Mais pour le tzvi, c'est pas la peine de l'enfermer dans une maison nécessairement. Tu peux aussi le mettre dans une cour ou dans un beivar, dans un enclos, mais à condition, comme nous dira Rabban Shimon ben Gamliel, à condition qu'une fois qu'il est dedans, tu dois pas suer pour l'attraper. Tu vas, tu l'attrapes et il est déjà capturé. D'accord? Telle est la vie de Rabban Shimon, de Khamim. J'ai un grand problème, c'est que la machloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim, elle n'est pas explicitée, elle n'est pas expliquée par personne. D'accord? Il y a une certaine petite signification dans les Yerushalmi rapportés dans le Yerushalmi, qui laisse entendre que Rabbi, de quoi ils discutent en fait. Rabbi Yehuda, apparemment, il est plus machmir, ça ne suffit pas de le mettre dans l'enclos. Pourquoi pas? Apparemment, Rabbi Yehuda, il pense qu'il faut nécessairement l'enfermer dans quelque chose qui a un toit. Comme ça sortira un petit peu de la Gemara. Mais c'est pas clair quelle est la machloquette exactement. Une chose sûre, c'est que, d'après tous les avis, il faut qu'une fois qu'il est capturé, t'as plus, il est là. Et Rabbi Yehuda a besoin de le faire entrer dans une maison, ou même, au pire, tu peux le mettre avec moi précise, dans un enclos qui a un toit. Mais s'il n'y a même pas de toit, alors tu seras pas tour. Je ne sais pas pourquoi. Quelle est la motivation? Ça n'a pas été précisé. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Kol Tuv Sela.